Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 87 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Unreal Tournament 3. Je dis n'importe quoi. Donc, je m'étais trompé la dernière fois que je vous ai présenté Unreal Tournament 2004. Je vous avais dit que c'était le dernier. Et j'avais totalement oublié. Ça m'était sorti de la tête. Donc, il existe un Unreal Tournament 3 qui est sorti en 2007. Donc, quand même quelques années plus tard, hein. Donc on va y jouer tous ensemble. On va faire le petit test. Alors, Intel Core, petite pub sympathique. Voilà, Unreal Tournament 3. On voit les 3 avec le 100 derrière. Appuyez sur n'importe quelle touche. Donc on s'en fout ça, on veut pas se connecter. Alors, campagne. On va faire une campagne. Alors, attendez. On va tout de suite modifier quelque chose, c'est-à-dire les entrées. Voilà, c'est ce qui me semblait. J'y avais joué à chaque fois que je redémarre, il a oublié que j'avais configuré mes touches. Et comme elles sont pas configurées comme les autres Unreal de base, j'ai configuré comme je le voulais. Voilà, c'est parti. Donc campagne, comme je disais, on va faire une nouvelle campagne. Ok, on va se mettre en facile, parce qu'on n'a pas envie de galérer. On démarre une partie privée. Et c'est parti. Ce barrage. Je m'en occupe. Ta sœur sera insuffisant pour évacuer ces gens. Emmène ma sœur en sécurité. Qu'importe le prix. En vérité, bénis mon habileté au Seigneur et guide le travail de mes mains. Fais-le! Oh.
On arrive trop tard. C'est impossible! T'embête pas avec lui, il se battra plus. Allez, au boulot. Toujours fâché? Tu n'aurais pas dû revenir. C'est ça. Envole-toi et laisse mourir ton frère. J'ai promis de m'occuper de toi. Depuis ton cercueil? Bon plan. Ça va, d'accord. Alors on travaille pour les Izanagi maintenant? On avait besoin de deux choses. D'abord d'un hôpital. T'étais à moitié mort. Et la deuxième? Je savais que tu serais pas très content en réveil. Ce job de mercenaire nous rapproche des Nécris. Ça crée des liens. Et vite. Ah, ça c'est mieux. C'était le plan. Mais les Izanagi nous appellent Ronin dès qu'on a le dos tourné. On va apprendre leur nouvelle technologie et prouver qu'on mérite d'être envoyé au front. Bonne idée. Alors, où est le champ de tir? Je crois qu'un entraînement en tête-à-tête te remettra en forme. Avec des lance-roquettes? Ton super plan, c'était de me sauver, puis de me mettre en morceaux. La ville entière est couverte de régénérateurs. Argent d'entreprise. Des régénérateurs? Sur un champ de bataille? Ouais, des unités portables. Alors pas de perte. Ouais. Voyons si les toubibs t'ont bien remis d'aplomb. Je sais que tu te sens mieux, mais je dois m'assurer que tu es vraiment prêt pour ce qui nous attend. Retrouvons-nous au doc de Kimpu, histoire de te recycler un peu. Si ça peut t'aider, tu n'as qu'à imaginer que je suis une terrible crawl. Donc voilà, on va jouer en entraînement pour le début. Donc apparemment, la fille va nous entraîner. On va garder le contrôle du champ de bataille en tenant les ennemis. Au bout du couloir et derrière la porte. Donc, alors, on avance direct. Là, elle nous indique où il faut qu'on aille. Hop là, donc j'essaie de me familiariser un peu avec les commandes. Voilà, on ouvre la porte. Alors, là, il fallait se baisser. Ensuite, je choisis la bonne arme. Je le tue. Enfin, je le tue. Je le choque. Voilà, on ouvre. Et c'est parti. On prend le fusil choc, donc comme elle nous a dit. Enfin, le fusil choc. Ouais. Fiole de santé. Donc, ça, on retrouve des graphismes nettement améliorés par rapport aux autres funérailles. Normal, hein, il est sorti bien des années plus tard. Voilà, une petite armure. On se met bien pour commencer. Voilà, premier sang. Donc, on n'a qu'une ennemie, on est en 1 contre 1 contre elle. Parce que, à ce qu'on a compris, donc c'est un entraînement, elle c'est notre coéquipière. Mais on se tire dessus comme des malades parce qu'on a des régénérateurs un peu de partout. Et donc, soi-disant, ça nous empêcherait de crever. Bon, je l'ai quand même tué, deux secondes. Hein. Alors, est-ce que ça ressuscite? Allez savoir. Alors, la map est pas très grande, mais il n'y a pas tellement besoin. J'arrive pas du tout à la creuser, c'est bizarre. On est que deux quand même. Où est-ce qu'elle est? Hop, hop. Quand tu veux, frangin. Ah, elle doit pas être bien loin. Bon, c'était peut-être la radio. Hop. Elle a pas envie. Ah, ça y est. Elle s'est trahie. Elle est où? Elle est où? Oula, donc je passe un petit peu de temps à la trouver. On doit faire 10 kills, je crois, à tout casser. Ouais, on va l'attendre peut-être un peu, non? Elle bouge pas ou quoi? C'est pas possible. Voilà. On l'a enfin vu, mais il a fallu que je reste quand même immobile parce que je suis sûr qu'on faisait que se croiser tout à l'heure. Fiole de santé, je suis à 188. Pour l'instant, je risque pas trop de crever. Oh là, 180. Elle m'a tiré dessus. Hop là, encore tué, ça fait 3 kills. Hop, on remonte un peu la vie. On est au maximum. 199, on peut pas monter plus, hein, de toute façon. Où c'est ce qu'elle est? Là. Elle était là. Hop là, oui, il y a les crèves. Allez, voilà. Elle s'est même pas retournée pour me tirer dessus, elle continue à courir. Bon, elle est peut-être un peu bête. Peut-être parce que je suis en mode facile aussi, je sais pas. Hop là, elle est encore là, folie meurtrière. Il reste 5 mises à mort. Donc encore 5 kills, donc c'est bien ce que je disais, il en fallait 10. On le voit tout en haut à droite, donc le nombre de kills qu'on a fait.
En bas à droite, les munitions, voilà. Les munitions, les armes au milieu qu'on peut changer avec la molette de la souris. Alors malheureusement, ma molette, elle bug un peu, donc j'évite de changer trop d'armes. Faudrait que je m'achète une nouvelle souris. Allez. Elle est partie où? Elle a disparu, donc j'ai perdu un peu de vie, on va peut-être, voilà, en regagner un peu. Elle est où, elle est où? Bon, j'ai un peu de la marge encore à 143, c'est quoi ça? Ah, ça c'est une sorte de petit ascenseur pour monter. Hop, on recharge. Oulala, je me tire dessus comme ça de loin. Voilà, elle avait une sorte de bouclier là. Hop. Ah, encore le petit ascenseur. Mais on s'en fout, on n'a pas envie de monter comme ça de toute façon. Où c'est qu'elle est? Il faut tout le temps la chercher, faire le tour. Elle est pas grande la map, heureusement. Sinon je vous dis pas la galère pour la trouver. Encore sur une map plus grande, il y aurait eu plus d'espace, donc ce serait peut-être promené à découvert. Regardez, je trouve personne. Ah voilà. Il suffit que je le dise. Alors par contre, elle s'est bien perdue là-haut. Comment je la tue? Ah bah elle est descendue, merci. Elle serait restée en haut, j'aurais eu de la peine, mais... Allez. Encore une mise à mort. Où es-tu? Oula, petite mitraillette. Ah, j'ai essayé de changer d'arme, je voulais en choper une autre, mais c'est pas grave, c'est pas mal. Hop, allez là. Et voilà, allez. Terminé. Victoire, on l'a terminé. Parfaite. Le petit entraînement. Chouf, victoire parfaite. Ah ouais, parfaite, bah, je suis pas mort du tout. Hein. Je suis pas mort une seule fois. Joueur, 10 à 0. 0-10. Joli bureau. Quel endroit, hein. Je suis Malcolm. Ripper. Les Izanagi m'ont embauché pour les opérations spéciales. Ça a dû leur coûter cher. On dirait que tu connais ma répute. Qui ne la connaît pas? Le record de trophées du tournoi. Chef des Thundercrash, alias Machine à sous. Allez, c'est bon. Et tout ça fait de toi un civil très décoré. J'ai mené les Thundercrash dans les pires conditions imaginables. Dans les volcans de magma, la gravité zéro, les saloperies d'aliens, etc. Cette merde, c'est du gâteau. Alors ça fait toi un général? Non, mais les régénérateurs ont complètement changé la guerre. Et personne ne connaît ça aussi bien qu'un champion de tournoi. Je vois. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Les patrons Izanagi veulent gagner la guerre avec des frappes chirurgicales. C'est très rentable pour eux. Ouais, une petite équipe comme la tienne sait travailler ensemble. Un vrai atout? Oui, un atout jetable surtout. Vois ça comme tu veux. Mais ton équipe est avec les flics maintenant. Alors les Ronin ont un maître, c'est ça? Mais tu la fermes jamais! On part en guerre, et j'ai besoin de toi dans mon équipe. Pourquoi? Les Nécris sont la vraie menace, pas les Axons. Ils ont commencé en voulant notre Tarium, et on a besoin de leur matos pour vaincre les Nécris. Bien, on sera prêts. Écoute, je sais ce qui est arrivé à ta colonie. Je sais que tu veux du sang. Ce job t'en procure plus vite. Crois-moi. Allez, donc voilà, c'est parti, chapitre avec les pièces de César disponibles. Donc ça se présente sous forme comme ça. Alors ça a l'air d'être une map monde, mais c'est un peu bizarre. Je sais pas trop où on est sur la Terre quand même. On doit être un peu dans le futur. Hein. Ouais, alors jouer carte. Voilà, vous n'avez aucune carte à jouer. Ah ben d'accord, donc acceptez la mission. Alors garder les forces ennemies chèques jusqu'à ce que leur régénérateur soit épuisé, une recharge. Du damage se trouve dans la cour centrale.
Donc ça c'est pour la map qu'on va avoir. Alors, on est en équipe cette fois-ci, on n'est pas un contre un, on est une équipe contre une autre. Et apparemment je suis rouge. Donc voilà, on a récupéré un peu d'une petite arme là. C'est pas la meilleure mais on va essayer de trouver mieux. Alors ça des balles. Donc là c'est une vraie map hein. C'est plus la petite map comme tout à l'heure. Donc là on a chacun notre côté de la... Allez, les bleus sont là. Moi je suis bien rouge, il faut que je tue les bleus hein. Hop là, vous avez tué Drake. Hop là, on a tué lui aussi. Ça en fait déjà deux sans mourir, c'est pas mal. Parce que bon, quand ils sont un, ça veut rien dire, mais quand il n'y en a pas beaucoup, comme tout à l'heure, bah, c'était plutôt simple. Bon là, on est quand même en mode facile, donc on devrait s'en sortir. En essayant de pas trop mourir. Pas trop de fois. Hop là, le sniper. Alors, je vais essayer de le prendre, voilà. Attention, hop. Allez, est-ce que je peux voir un ennemi? Non, alors on me tire dessus. Ah mais c'est lui. Hop là. On va utiliser un sniper au corps à corps, c'est vrai que c'est pas très utile mais... Non, alors ça c'est une arme. Ouais, est-ce qu'il veut réapparaître? Ah là. Ah non, je me suis fait tuer. Ok, c'est reparti. Alors oui, par contre, on perd toutes nos armes quand on meurt. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas mort, donc on l'a pas vu. Allez, crève, enfoiré. Ah, on me tire dessus à distance. J'ai plus d'armes. D'accord, donc ça, c'était mon ami. J'ai tiré sur mon ami. On va essayer de récupérer au moins celle-là. Oh là là. Vous avez été tué, encore une fois. Bon, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Ça pouvait pas être aussi facile que tout à l'heure, évidemment. Hop, hop, une petite recharge de vie, mais ça sert à rien. Je suis déjà full de vie. Enfin, à 100, quoi. Ça, ça charge... ces chargements, c'est comme les pavés qu'on avait dans les anciennes réelles. Ça vous donne 20 de vie, des choses comme ça. Mais uniquement si vous êtes en dessous de 100. Par contre, les petites fioles, elles vous permettent de gagner 5 par 5, mais vous pouvez monter jusqu'à 199. Allez, crève! Enfoiré. Non, ah bah non, je suis redescendu. Oui, il est là. Voilà. Allez, crevez! Ah, ils veulent pas mourir, hein. Hop là. Alors ce qui est bien c'est qu'on s'ennuie jamais. Dans les cas comme ça, regardez. Ah bah lui il bougeait même plus. Il était en train de se défendre contre un autre ennemi et donc du coup bah. J'en ai profité. Oui. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, cette arme elle peut être pas mal mais faut en tirer beaucoup. Alors lui il est là-haut mais on peut pas l'atteindre. On va essayer d'aller par là. Est-ce qu'il y en a là les ennemis? Il n'y a pas l'air. Là il n'y a rien. Mes coéquipiers. Ça a l'air d'être notre base. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Il devait y avoir une bonne arme ou quelque chose comme ça. Ah tiens, il y avait un bleu là. Hop là, double tuerie. Double tuerie. Ah, double tuerie. Multi-tuerie. Ah non, j'ai été tué, ça peut pas... Ça aurait pu faire un joli combo. Mais non. Alors, on est en avance, hein, l'équipe rouge, on est en avance par rapport à l'autre. Pour l'instant, ça joue bien. Allez, encore 10 mises à mort. Ouais, on a quand même 14 morts d'avance. Donc ça joue bien pour l'instant. Alors. Allez, crève. Et en plus il reste perché sur son truc.
Oui, double tuerie, multi-tuerie. Allez, on continue. Méga tuerie, folie meurtrière. Ça, c'est beau, ça. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, double tuerie. Oui, je suis blessé. Mais qu'est-ce que je te dis ? Hop, allez. Vous avez tué Drake. Allez, on arrive à déjà à la fin. Déjà. Encore une tuerie. Où c'est qu'il est ? Il est là-bas. Non, ça ne sera pas pour moi. L'équipe rouge gagne la partie. Et voilà. L'équipe rouge a gagné la partie. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on a fait notre petit match sympathique. Les Axons voilà, ne voilà. savent pas ce qui les a frappés. Bon travail. Alors après, donc on a une nouvelle mission. Ouais, on a des alors points si qui... ça se passe mal. Ouais, c'est pas la même. Donc voilà, donc on a fait les deux bleus là-haut. Donc ce sera tout pour Unreal Tournament 3. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.